Salut à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est Pilote GG. On se retrouve dans Transport Fever pour la suite de mes tutos 5 médailles, mes solutions que je vous apporte ainsi comme ça sur un plateau, cette fois-ci pour la campagne européenne. On se retrouve en Suisse et nous allons ensemble, oui mes amis, construire le tunnel du Gotthard. Pour cela, et ça va être assez simple pour cette première mission européenne, commencez par poser un quai de chargement pour les camions juste en face de l'usine qui construit des outils. Forcément, on va y passer juste à côté un dépôt, voilà, et on va créer une ligne qui nous emmène depuis ce quai de chargement et ce quai de livraison qui est dans la carrière devant le tunnel. Charge max, bien évidemment. Qui dit charge max, dit moins de chemin à vide. Bien évidemment, vous l'avez compris. On va s'acheter tout de suite le camion le plus gros, qui va le plus vite ou qui en transporte le plus. On va s'acheter 10 camions. C'est encore des charrettes, forcément. Parce que nous sommes en 1872 et qu'à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de camions à moteur. Donc, on a deux chevaux qu'il faut nourrir à l'avoine. Voilà, ils partent tranquillement sur leur première ligne respective, nous amener nos outils. Nous, en attendant, on commence par faire une ligne de train. Et là, j'accélère le mouvement. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Évitez de dépasser les 20 000 par tronçon de train. Vous doublez directement la voie. Et là, vous la doublez en bricolant un petit peu. Rassurez-vous, ça va assez vite. Vous doublez cette voie jusqu'à l'intersection où nous avons cette espèce de gros croisement en Y de voies ferrées. Voilà. Vous ramenez ainsi votre double voie sur une, ce qui permettra au train, parce qu'on en aura plusieurs, de fonctionner correctement. N'hésitez pas à mettre les feux, parce que ça permet quand même une meilleure circulation. Voilà. Et créer une ligne donc qui part de cette gare de marchandises qui est située juste devant le tunnel à ce dépôt de gravats ici, utile pour nous parce que c'est là que nous allons jeter toutes les pierres. Attendez maintenant le premier chariot qui apporte les premiers outils à la carrière pour débloquer, voilà, une seconde mission. Mission qui vous demande simplement d'emmener les pierres depuis le tunnel jusqu'à ce dépôt que l'on a donc relié grâce au train. On en profite pour mettre sur pause et appuyer sur le premier point d'interrogation. Et là, vous allez partir à la quête du cristal précieux, le cristal alpin tant recherché par tout le monde. Et là, vous êtes l'Indiana Jones des Alpes. Et en suivant les points d'interrogation, vous allez découvrir ce fameux cristal. Un petit peu plus haut, après la ville de Altdorf, se trouve le troisième point d'interrogation qui vous explique que vous devez chercher un monticule de pierre. Il est situé juste là, on le voit, il est assez gros. Et là, vous allez prendre votre plus belle pioche et taper sur les cailloux. Voilà, vous tapez dessus et youpi ! Vous obtenez le cristal et la première médaille. Pas mécontent d'être venu dans les Alpes, hein, si c'est pour choper le gros cristal alpin. Bon, bref, de plaisanterie, on se dirige vers le dépôt de train et maintenant on va s'acheter la deuxième locomotive, celle qui va un petit peu plus vite que la première, bien évidemment. Le seul chariot qui transporte les pierres, vous en achetez 10, mais c'est pas fini puisque vous allez dupliquer ce même train avec 10 wagons. Voilà, vous envoyez le premier sur la ligne que vous avez construite. Et puis, vous allez attendre que ce premier train arrive en gare du tunnel pour envoyer le second. Voilà, il entre en gare et vous envoyez ensuite le second, ce qui permet au train de ne pas se chevaucher, de ne pas trop attendre. Il se croise tranquillement sur votre double voie, absolument superbe, qui traverse donc les Alpes suisses, en tout cas pour le moment. Profitez-en pour ici créer un petit raccourci qui part de la ville de Altdorf et qui part directement sur les chemins extérieurs, ce qui évitera au prochain camion de devoir traverser la ville. Vous saurez pourquoi. Déposez ici un quai de chargement pour camion devant une petite partie vide pour le moment, mais on aura besoin de vous de toute façon par la suite. Une fois que votre premier train arrive chargé de toutes ces pierres, voilà, on le voit ici entrer en gare pour la première fois et déposer toute sa marchandise. Vous obtenez bien évidemment de l'argent et une nouvelle mission se débloque, celle qui vous demande d'aller livrer des outils à l'atelier.
Donc on a préparé la route, on a mis le quai. On va maintenant créer la ligne qui part bien évidemment de l'usine qui fabrique les outils et qui va aller ici livrer ses outils à cette fabrique qui nous en demande quand même beaucoup. Donc très bien, on s'exécute. La ligne est créée et maintenant nous y allons gaiement, bien évidemment en achetant 5 chariots, ça devrait suffire en tout cas pour le départ. Voilà, ça c'est parti. Pendant que tout ce petit monde est au travail, ce que vous pouvez vous faire c'est prolonger la ligne d'ici qui part après le pont et qui va relier la ville de Lucerne. Une voie suffira largement. Vous laissez le jeu en vitesse rapide et vous allez tirer votre ligne depuis la ville italienne de Bellinzona et vous vous dirigez vers le Gothard. Vous allez avoir une crise. La première, vous n'avez plus d'argent. Surtout, surtout, ne prenez pas de crédit. Sinon, Maka Chualou, une médaille. Vous tirez votre ligne tranquillement et voilà, vous obtenez une médaille sans rien faire parce que les premiers outils ont été livrés à l'usine qui les demandait, l'atelier. Voilà. Continuez tranquillement votre ligne, petit bout par bout, hein, moins de 20 000, vous le savez, jusqu'au rail du tunnel. Et puis, vous n'avez plus qu'à attendre. Profitez-en pour acheter peut-être 5 chariots sur chacune des lignes. Voilà, 5 chariots sur la première ligne qui livre le chantier. Et 5 chariots aussi pour aller livrer les outils à l'atelier, ce qui vous ramène un peu plus d'argent. Vous étiez un petit peu dans le rouge, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun inconvénient, mais surtout ne prenez pas le crédit. Laissez faire le jeu et une autre crise arrive, la grève. Ah ben, payez les ouvriers, vous avez de l'argent, payez-les, ce qui vous évite de les frapper et ainsi d'obtenir une troisième médaille. Pourquoi frapper les ouvriers si tu peux les payer? Ils font un super boulot, les gars. En attendant, bah, tu fais rien, tu croises les bras, tu t'amuses à regarder ce que ce petit monde bricole. Et quand tu arrives au bout des 500 pierres livrées, eh bah, on te dit que ah, c'est fait, le Gothard est ouvert. Donc on va créer la première ligne entre Lucerne et Bellinzona. Faites entrer un de vos trains de marchandises et vous le vendez. Ouais. Vendez-le, vaut mieux tout vendre. Virez tout, puis achetez une nouvelle loco. Achetez la première type G3 série 53 qui roule à 50 km/h et achetez un wagon, ça suffit, celui qui roule à 50 km/h. N'ayez aucune inquiétude au niveau du timing, on est en 1879, on a largement le temps. Créez votre ligne entre Lucerne, n'oubliez pas de passer par Altdorf pour un terminus ici, à la nouvelle ville de Bellinzona. Je dis nouvelle parce qu'elle est enfin reliée par votre tunnel, celui que vous avez construit, le tunnel du Gothard. Vous mettez ce train avec son petit wagon sur cette ligne, vous le faites partir en trombe depuis son dépôt, mais ce cochon prend la mauvaise destination. Donc, mettez le jeu sur pause, faites-lui faire demi-tour parce qu'il doit démarrer depuis Lucerne. Ce sera bien mieux pour finir votre partie, puisqu'il doit, on s'en fout des passagers d'ailleurs, il doit faire 3 arrêts dans les 3 gares. Si vous aviez envie de mettre des passagers, vous pouvez bien sûr construire dans chacune des 3 villes un circuit de bus qui emmène vos passagers à la gare. Moi j'en profite pour passer des ponts, comme ça on voit un petit peu depuis le sol, depuis les trains, notre circuit. On fait coucou au copain qui lui ramène encore des cailloux, mais il a été engagé pour ça. On passe la carrière et puis on en profite pour entamer le Gothard, voilà. Donc c'est un tunnel fait de pierre, hein, c'est vous qui l'avez fait. Et dès que le train arrive en gare, vous avez fini avec les 5 médailles, je vous l'avais promis. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous parce qu'on aura forcément la suite de cette campagne européenne. Bisous à tous, ciao !